Monsieur Hollande, qui pourtant a fait l'ENA, je permets de le dire, n'est-il nous annoncer que le coût de 60 000 postes dans l'éducation nationale, c'était sur 5 ans 2,5 milliards. Parce que c'était 500 millions par an pour 12 000 postes. Et donc, c'est quand même bizarre comment 500 millions la première année, ça fait 2,5 milliards la cinquième année, il y a un truc qui marche pas. Mais honnêtement, c'est pas compliqué à calculer, c'est pas 2,5 milliards. Parce que quand vous embauchez un prof, c'est pas pour une année, hein, c'est pour 40 ans que ça prête. Bon, donc en fait, ça s'accumule, 12 000, puis 24 000, puis après vous rajoutez encore 12 000, 36, etc. Et enfin vous allez aux 60 000 profs. Bon, très bien. Donc ça s'accumule le coût. C'est 500 millions, 1 milliard, 1 milliard et demi, et ainsi de suite. Ça s'appelle une progression géométrique. C'est en quatrième, là, pour ça. Enfin, je crois, en quatrième ou troisième, enfin, ça dépend des gosses, enfin, globalement, mais enfin, ça dépend de la troisième, ça change beaucoup. Donc pour moi, à la fin, ça fait 7 milliards et demi, et pas 2 milliards et demi. Or Hollande, depuis le début, dit que ça fait 2 milliards et demi. On rigole. Donc à chaque fois qu'on voit Hollande, il dit non, c'est 7 milliards et demi. Et là, je me dis, puisque chaque langue, il veut qu'on parle d'éducation, on y va. Et chaque langue fonce en avant, et il me dit, c'est un scandale, vous avez bradé l'éducation nationale, merci pour ça, très bien, ce que vous faites est nul, ce qu'on va faire est génial, merci bien, vous faites par l'exil. Monsieur Lange, je me permets de vous signaler que comment vous allez payer les 7 milliards et demi. Et là, il me dit non, 2 milliards et demi. Donc, c'est 7 milliards et demi. Et donc, j'ai assez vite compris qu'on allait faire des mathématiques. Et là, il me donne un énorme coup de main, il me dit, écoutez, monsieur Copé, vous avez été ministre du budget et j'ai été professeur de finances publiques. Je sais donc compter. Vous pouvez imaginer ce que ça a donné. Bon. Après, on est revenu au nucléaire. Et là, il m'a dit, non, mais nucléaire. Non, j'ai dit, non, nucléaire. Et j'ai montré une carte de France, qui d'ailleurs est maintenant devenue un tract à votre disposition. La carte de France avec tous les sites nucléaires de notre pays. D'ailleurs, il y en avait un dans sa circonscription. Enfin, dans sa circonscription, dans une de ses circonscriptions, parce qu'à chaque fois, il en prend une différente. C'est déjà bien, on est un circoncept. Il prend le truc, il prend le truc, et je lui dis maintenant, vous prenez vos fléchettes, et vous tirez. Parce qu'à la clé, ce sont des milliers d'emplois, et les gens qui sont derrière, les familles, attendent de savoir quels sont ceux qui vont être sacrifiés au nom de l'idéologie par un parti socialiste qui est en train de programmer le plus grand plan social jamais réalisé dans une filière d'excellence française. Et c'est ça qui doit faire la différence. Et c'est ça que nous demande de donner notre solution. C'est l'énergie, c'est le budget, c'est aussi la diplomatie. Voilà que M. Hollande n'a rien trouvé de mieux que de cautionner un accord avec les Verts dans lequel il s'engage à réfléchir, parce qu'il faut même réfléchir là-dessus, à renoncer à un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la France. Voilà encore un domaine dans lequel M. Hollande a signé les yeux fermés avec un autre parti politique. Je veux quand même vous rendre attentif au fait que si nous n'avions pas eu ce siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, nous n'aurions pas pu prendre la position que nous avons prise au moment de la guerre d'Irak, ni encore moins au moment de l'affaire libyenne. Il y aura toujours des gens, ici ou ailleurs, pour dire « Oh, écoutez, hein, les affaires internationales, ce qui nous intéresse, c'est nos affaires à nous. » Je veux dire à chacune et chacun d'entre vous que ce qui fait la grandeur de la France, ça n'est pas simplement son rayonnement culturel, ça n'est pas simplement sa puissance industrielle ou agroalimentaire. C'est aussi sa capacité, par la désignation des grands hommes d'État qui ont fait notre pays, de porter haut et fort les valeurs universelles que la République française a toujours incarnées à travers le monde. Et que pour ça, cela signifie qu'il est pleinement intégré, assimilé à notre pays. Et dans ce cas, il y a une bonne formule qui est celle de demander la naturalisation. Car lorsqu'on se fait franciser avec le droit, vous l'avez compris, mes chers amis, nous voici confrontés maintenant avec les Français à un choix majeur. Et je veux d'autant plus vous le dire que j'ai une intuition que je voudrais partager avec vous. Cette élection présidentielle va voir s'affronter, comme chaque élection, trois grands blocs politiques. Par exemple, en 2007,
Les trois grands blocs qui s'opposaient pour être qualifiés pour le second tour, c'était le Parti Socialiste, l'UMP et le Centre, avec M. Bayrou. Cette fois-ci, les trois grands blocs qui vont s'opposer, ce sera, du fait de la crise et des inquiétudes des Français, le Parti Socialiste, l'UMP et l'extrême droite. Il n'y aura de mon point de vue pas de place pour le Centre en tant qu'entité autonome, parce qu'aujourd'hui, les idées du Centre en tant que telles sont très largement partagées par l'UMP. Et que ce qui doit faire la différence pour nous à l'UMP, c'est de montrer aux Français qu'entre la démagogie du Parti Socialiste dont je viens de parler et le tentation populiste de l'extrême droite, il n'y a aucune solution autre que celle que nous proposons à l'UMP. Et je voudrais vous mettre en garde. Je voudrais vous mettre en garde sur le danger que constitue la perspective d'un 21 avril à l'envers. Car ne nous trompons pas, le 21 avril, ça n'est pas simplement l'action du 21 avril 2002 avec un socialiste, M. Jospin, exclu du second tour. À la faveur des crises comme celles que nous vivons, il y a toujours des Françaises et des Français pour dire il y en a un grand coup de pied dans la fourmilière et puis on se rattrapera au deuxième tour. Il y a toujours des Français pour dire il y en a assez de la montée des fondamentalistes islamiques, il y en a assez des problèmes liés à l'immigration clandestine. Il y en a assez de la violence dans nos quartiers. Il y en a assez de l'accès. Il y en a assez du chômage. Allez, je vote extrême droite. On verra bien ce qui se passera. Je veux juste vous dire une chose, mes chers amis. C'est ma responsabilité de vous le dire. Si celles et ceux qui ont vocation à voter pour nous vont voter pour l'extrême droite au premier tour, ils feront passer la gauche, c'est-à-dire l'inverse de ce qui est bon pour la France et de ce qu'ils souhaitent. Et après, ce sera trop tard. Nous aurons que nos yeux pour pleurer. C'est vrai pour les présidentielles et c'est vrai pour les législatives. Je sais, moi, pour l'avoir personnellement vécu, ce que veut dire le ravage des deux triangulaires. À Meaux, dans ma propre ville, en 1997, aux législatives, à la suite des de la malheureuse dissolution dont chacun se souvient ici, j'ai vu dans ma ville le Front National faire 23% des voix et ainsi se maintenir au second tour, m'empêchant d'être élu et permettant l'élection triomphale d'une députée socialiste, persuadée qu'elle avait gagné grâce à son talent, alors qu'elle avait de fait gagné par une alliance objective avec l'extrême droite, sans qu'à aucun moment cela ne lui pose d'état d'âme. L'honneur de la droite et du centre droit français est d'avoir toujours refusé l'alliance avec l'extrême droite. Mais je le dis ici en conscience, la contrepartie du refus de l'alliance avec l'extrême droite, c'est que personne, jamais, ne nous interdira de dire ce que nous pensons sur la réalité de la France d'aujourd'hui. Il y a des problèmes évidents liés à la crise économique, des problèmes de délinquance, des problèmes d'immigration clandestine, des problèmes liés à la montée des fondamentalistes et des intégristes que nous devons combattre avec la plus grande force. Vous avez devant vous quelqu'un qui, je le rappelle tout à l'heure, a porté avec tous ses amis députés, devant les sarcasmes parisiens, une loi visant à interdire sur l'ensemble de l'espace public le port de la burqa. Que je n'aurai jamais peur de ces intégristes fondamentalistes qui voulaient instrumentaliser la religion à des fins politiques et ainsi tester la République. Je voulais dire que le port du voile intégral, c'est un déni d'identité pour les femmes, c'est une atteinte à la sécurité et que, en France, la République se vit à visage découvert. Ça n'est pas la négation des religions. La laïcité, c'est la liberté pour chacun de ceux qui le souhaitent d'exercer son culte, à condition que ce soit dans le respect de celui des autres et dans le respect des lois de la République. C'est ce qui fait la différence entre la communauté et le communautarisme. Personne
religieuse, philosophique, politique, sportive, associative, dès lors que les règles de cette communauté sont subordonnées aux lois de la République. Le communautarisme, c'est l'idée que la loi de sa communauté pourrait être égale, voire supérieure, à la loi de la République. Ça, mes chers amis, ça ne sera jamais tolérable dans un pays comme la France. Je plaide avec mes amis pour que on lutte contre ce fléau que l'ignorance des autres, l'ignorance des religions des autres, l'intolérance qui fait que chacun raconte tout et n'importe quoi, qu'on utilise tous les prétextes pour faire monter ici ou là des extrémismes sous toutes leurs formes, qui dévoient l'idée que je me fais de la nation. Voilà pourquoi, de la même manière, nous allons dans le prochain quinquennat, et nous l'avons dit hier soir à Lyon, nous appeler à la réforme de l'éducation. Un travail considérable a été fait pour l'autonomie des universités. Un travail remarquable a été fait pour moderniser nos lycées. Il nous reste maintenant à nous occuper de l'école primaire et du collège. L'école primaire d'abord. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On ne peut pas envoyer un enfant en sixième au collège s'il ne sait pas lire, écrire et compter. Il y a un phénomène de montée de l'illettrisme qui échappe à la République. Du fait de parents désarçonnés, démobilisés, et qu'on ne sensibilise pas suffisamment par tous les moyens nécessaires à l'éducation de leurs enfants. Du fait que, pour toute une série de raisons, nous n'évaluons pas les enfants à l'entrée en sixième. Je plaide pour que l'on ait désormais un système d'évaluation au début du CM2, pour que l'on voit exactement la situation de chaque enfant, que l'on déclenche le plan hors sec pour ceux qui en ont besoin, et qu'aucun enfant n'entre sixième sans avoir la maîtrise totale des savoirs fondamentaux. Doit cesser d'être un collège unique. Il n'y a pas plus différent d'un enfant qu'un autre enfant. Chaque enfant est unique. Le collège est un univers impitoyable, où l'on mêle, dans un même établissement, de 800, 900, 1000 élèves, des gamins de 10 ans qui entrent en 6e, avec des gamins qui en ont 15, 16 ou 17 et qui sont en 3e. Et on s'étonne que dans certains quartiers défavorisés, on assiste au caïda, dans lequel les grands initient les petits, à des choses qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la République, qui donnent le sentiment que l'argent pourrait être facile dès lors que l'on deal des marchandises interdites. Je souhaite que le collège, désormais, évolue autrement, que ce ne soit pas le collège qui soit unique, mais l'enfant qui soit unique, que chaque collège soit commandé par un chef d'établissement qui soit un chef d'établissement, qu'il puisse recruter des équipes pédagogiques adaptées à la population du quartier dans lequel il exerce ses fonctions, qui évidemment ne peuvent pas être de même nature dans un quartier difficile, dans un centre-ville ou dans une zone rurale ou semi-rurale. Que l'on fasse un accompagnement personnalisé de chaque élève, dans lequel on a pour premier objectif de veiller à ce que chaque élève ait confiance en soi et pas simplement soit évalué sur des 3 ou 4 matières essentielles. Que l'on ne craigne pas d'expérimenter des collèges dans lesquels il y aurait que des 6e, 5e d'un côté et d'autres que des 4e, 3e de l'autre. Que l'on ne craigne pas non plus de mettre l'apprentissage dans les programmes, que par exemple, en 4e, 3e, dans l'enseignement général, on permette aux élèves de découvrir la patrie, ce que veut dire les entraînements d'apprentissage, l'enseignement professionnel, car il n'y a rien d'insultant, rien d'injurieux. Ça n'est pas un échec de découvrir les métiers d'apprentissage. Ce n'est pas non plus d'ailleurs ni un échec ni une injure que de faire comme nos amis allemands qui font des liens permanents entre l'apprentissage et l'enseignement supérieur. Nous avons besoin de tout le monde, mes chers amis. L'idée selon laquelle il y aurait ceux qui réussissent et ceux qui échouent est une idée qui ne peut pas être supportable dans une grande république dès lors qu'on n'a pas donné les mêmes chances à chacun. Voilà le combat que nous devons mener. C'est vrai, de la même manière, nous avons évoqué hier les questions de sécurité. Oh là là, à Paris, vous n'imaginez pas le scandale. On a eu le malheur de dire qu'il y a aujourd'hui un problème que nous n'observions pas de la même manière il y a 5 ou 10 ans. La délinquance de mineurs de plus en plus jeunes, qui sont de plus en plus violents, qui sont donc de plus en plus dangereux pour les autres et pour eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, au lieu de tomber dans cet éternel débat pour ou contre l'ordonnance de 1945, nous proposons l'élaboration d'un code pénal spécifique.
spécifique pour les mineurs, dans lequel de petite taille deviennent de taille moyenne comme l'Allemagne, qu'elles s'adossent aux grands groupes et qu'elles aillent, au nom du patriotisme économique, vendre l'excellence française dans les pays qui ont de la croissance, des moyens, de l'argent et des besoins, c'est-à-dire les pays émergents du vaste monde. Que l'on ne traite pas d'assumer les grandes filières qui ont fait la force industrielle de la France, la filière nucléaire, la filière verte, la filière agroalimentaire, la filière médicale, la filière des services, la filière automobile. Nous avons en France un savoir-faire exceptionnel. Assumons-le. Il n'y a pas d'un côté les génies de la finance et de l'autre les braves gens qui dans l'industrie font ce qu'ils peuvent. Tout ça est une vue d'esprit qui n'a rien à voir avec l'économie réelle. Voilà, mes chers amis, les enjeux auxquels nous sommes confrontés si nous voulons préparer et protéger l'avenir des enfants de France. Vous le voyez, ce que je vous dis là répond au bon sens, répond aux valeurs que nos parents nous ont enseignées, selon lesquelles, si l'on veut réussir dans la vie, on ne doit pas travailler moins, mais travailler plus. Si l'on veut effectivement faire en sorte que le génie français puisse s'exprimer, encore faut-il ne pas brader celles et ceux qui ont envie de réussir. Qu'enfin, si nous apportons, et c'est notre honneur, la solidarité à la fraternité à ceux qui souffrent le plus, alors nous devons ne jamais confondre cela avec l'assistanat. Les revenus de la solidarité ne doivent jamais être supérieurs aux revenus du travail. Comme la même affaire. Nous ne devons pas craindre, mes chers amis, nous ne devons pas craindre d'être généreux. Et si vous le permettez, c'est par ce dernier mot que je voudrais conclure mon propos avec vous. Trop souvent, quand nous parlons de la France ou de politique, nous utilisons des grandes phrases, des grands concepts, des grands mots, et nous en oublions les mots essentiels, ceux qui touchent en réalité notre sensibilité première. Si nous faisons ce que nous faisons pour notre pays, ce n'est pas simplement pour des dossiers, pour des réformes, pour des chantiers. Nous le faisons d'abord au nom des hommes et des femmes que nous représentons. Et c'est d'abord pour eux que nous réfléchissons, que nous débattons, que nous proposons. La dimension sensible, humaine, ne doit jamais être absente des grandes décisions que nous prenons. Il m'arrive, moi, bien souvent, dans l'action que je conduis, de me dire, cette décision que nous prenons, est-ce qu'elle sera comprise par les Français? Est-ce qu'elle sera entendue? Est-ce qu'elle correspondra à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs espérances? La grandeur de la France réside aussi dans cette capacité extraordinaire que nous avons à proposer à chacun de nos compatriotes qui est dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la difficulté, une main fraternelle. J'étais il y a encore quelques jours en réunion dans ma circonscription à la préfecture avec des représentants de tout le service public de l'emploi et des représentants de salariés d'une entreprise qui, dans ma circonscription, malheureusement, doit faire un plan social important. Et je me disais que c'est extraordinaire de voir que dans notre pays, il y a autant de gens mobilisés pour chaque situation différente pour essayer de trouver une solution. Il est extraordinaire de vivre dans un pays où lorsque quelqu'un doit affronter la maladie, il est accompagné, pris en charge, soigné. Que lorsque quelqu'un est au chômage, il ait des hommes et des femmes pour l'aider à trouver des solutions. Que lorsque tel ou tel enfant est en échec scolaire, il est accompagné. Que tel ou tel parent qui est victime de violences conjugales est lui aussi recueilli, conforté, qu'il y a des lois, qu'il y a des acteurs pour protéger nos concitoyens. La générosité, mes chers amis, est le premier moteur d'une nation rassemblée. La générosité, ça ne veut pas dire qu'on donne gratuitement sans garder. La générosité, ça commence d'abord par prendre le temps pour s'asseoir, pour écouter, pour comprendre, pour partager, pour aimer. Voilà, j'ai lâché le mot, aimer. La grande difficulté et la grande fragilité de nos adversaires, c'est qu'ils soient de gauche ou d'extrême droite, ils n'aiment pas. Ils sont en permanence dans la haine, dans la stigmatisation, dans le rejet. Là où nous ne devons pas craindre de parler d'amour des autres, d'amour de la France, d'amour de la paix, d'amour de ces valeurs que nos parents nous ont enseignées et qui doivent porter nos pas vers un chemin de prospérité. Vous savez, si à titre personnel, et mes amis députés ici le savent parce que je le leur ai confié bien souvent dans ces nuits
de débats parlementaires qui nous ont bien souvent mobilisés, si j'ai choisi de consacrer ma vie au service de notre pays, c'est parce que je porte en moi une flamme, sans doute bien différente de celle que d'autres peuvent porter, mais pleinement respectable. C'est celle de me dire que je veux rendre à mon pays un peu de ce que mon pays m'a donné. Nous allons maintenant nous engager dans un combat politique majeur pour une élection qui ne sera pas comme les autres, car elle engage plus que jamais le destin et l'avenir de notre pays. Et pour ce combat-là, j'ai besoin de chacune et chacun d'entre vous. Pour Nicolas Sarkozy et pour la France. Merci.